Les patounes, comment vous allez? Y a-t-il des patounes? Y a-t-il des patounes par ici? S'il vous plaît, je demande des patounes. J'ai besoin de patounes. Je mets de la musique. C'est bon. Bon, moi je vais commencer tout seul puisque de toute façon, point d'exclamation, Calimero. Calimero. Ah, une patoune présente. Salut ma louloute. Ça va? Comment ça va? T'as passé une bonne journée? Même programme qu'hier. On chill, on est là ensemble, on parle, on se raconte nos vies, on joue à un jeu de chill et on joue à d'autres jeux de chill. Ça va, oui, et toi? Pourquoi c'est en annonce Serenity Mode? Salut Serenity, déjà j'ai vu que t'as mis une majuscule, t'as mis des majuscules à ton nom pseudo. Serenity Mode. Ça va, j'ai vu que t'étais malade Serenity. C'est le corps qui en peut plus, c'est ça? J'espère que ça va vite aller mieux. Tu m'entends pas très bien tu m'entends pas très bien. Bizarre. Ah bah oui. Ah bah oui, tu m'entends là? Je sais pas ce qui s'est passé, il était à zéro. C'est pas le jeu qui va fort. C'est et t'as changé de couleur de pseudo aussi. Parce que j'avais envie. Oui, j'ai étudié Twitch cet après-midi. En fait, c'était pas le jeu qui allait fort. C'était regarde. Là, le jeu, il est tout bas maintenant que ma voix est forte. C'était... regardez, il y a un rayon de soleil sur moi. C'était... c'était mon micro. Oui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il s'est... Des fois, il se dit, bon, bah... Par contre, on commence à avoir un vrai harem de canards. Donc, t'as étudié Twitch cet après-midi? Ah, trop bien. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as découvert? Oui, là, c'est vrai que j'imagine que ça doit être... Vous deviez m'entendre si loin. Mais du coup, j'écouterai en replay, mais vous devez rien entendre. Mais c'est bien comme ça, en majuscule et avec cette couleur de bleu. Et du coup, t'as étudié Twitch. Eh ben, très bien. J'ai toujours pas trouvé comment... En fait, dans mon panneau d'utilisateur, j'ai l'endroit qui permet de faire les boosts, mais je sais pas pourquoi il marche pas. Je vous l'ai dit hier, mais c'est vraiment trop bien. C'est en gros, c'est un, ça permet aux patounes d'utiliser des patounes jusqu'à 2000 par jour. Pour atteindre un objectif donné par Twitch. Et après, Twitch nous pousse le stream. Mais j'ai pas. Ou alors c'est que je l'ai déjà utilisé il y a longtemps. Et du coup, je sais pas, c'est bizarre. Malou, t'as passé une bonne journée? Oui, j'ai découvert que... Je ne pouvais pas mettre de personne en VIP, il n'y a que le streamer qui peut le faire. J'ai essayé de retenir quelques commandes, etc. J'ai déjà pensé à comment organiser le new PC pour live. Trop bien. Tu t'impliques à fond. Tu sais, c'est adorable, mais te prends pas la tête. Hein. On n'est pas encore une chaîne avec énormément de viewers.
Espérons qu'un jour ça passe, mais... Tu vois? Si un métis passe, demande-lui, elle l'a fait. Ah, elle l'a fait? Mais alors c'est peut-être que du coup, une fois, on peut le faire qu'une fois. Pour tes lives, c'est gentil, supermodo. C'est plus qu'une supermodo. Hein. Ah, ça me plaît, je me sens pas obligé. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté sympa à Twitch. À explorer un peu cette plateforme, à savoir comment ça se passe et tout, les commandes, les trucs. Moi aussi, je kiffe. Donc je peux comprendre. Allez, ma tête. Ah bah c'est Serenity. Pas de leçon de morale, pas de questions. Prépare-moi ça, c'est tout. Ah, non, c'est pas Serenity. Serenity, elle est plus gentille. Mais ouais. C'est encore très chaud aujourd'hui. Hein. Oh. Malgré l'orage, j'ai une de ces chaleurs. En plus, là, j'ai fermé parce qu'il y avait la conne de voisine dont je vous avais déjà parlé, je crois, qui téléphonait dehors ou même à l'intérieur, mais on l'entend quand même. Elle téléphonait super fort. C'était un enfer. Je la déteste. J'ai passé l'après-midi à essayer des commandes, c'est vrai. Et alors, ça marche, les commandes que t'as essayées et tout, c'est drôle. Ça aide un peu. Et tu sais, l'autre jour, j'ai regardé... D'ailleurs, je vais le mettre. J'ai regardé le côté... le créateur dashboard. C'est un peu comme toi, le côté... le côté... Modo, où t'as le fil d'actualité, le chat, tu peux modifier les infos du chat, faire un clip, lancer un raid. D'ailleurs, ça veut dire que je peux faire des clips moi-même, c'est bien. Commencer une prédiction, tout ça. C'est drôle. Hello Dancha, comment ça va? Tu vas bien? Ça va mieux? Ça allait pas fort, toi, non? En fait, je préfère l'autre. Pas d'orage chez moi, que de la chaleur. Super. Après, moi, aujourd'hui, j'ai eu que de la chaleur aussi. Mais c'est hier soir, il y a eu de l'orage. Dont annonce. Et je viens de remarquer que sur tel, personne ne le voit. Il faut être sur PC. Du coup, je ne le ferai plus. Oui, certaines choses sont chouettes, d'autres sont inactives avec le Wizbot. Ah bah si tu veux Wizbot, on pourra regarder ce qui peut être intéressant. Si tu connais Wizbot un peu, on pourra regarder parce que... Ah oui, donc annonce, mais oui j'ai vu, t'as raison, j'ai vu la notification il y a quelques jours qui disait maintenant on peut faire annonce. Ces maudits diablotins m'ont encore volé mes lettres. Tu pourrais les retrouver pour moi? Et donc oui, ça va nettement mieux. Il a plu cette nuit. Ma voiture a démarré. J'ai fait plein d'achats à Redon. C'est une ville. Dont à Woody Naruto. Bah, Young, c'est que des bonnes nouvelles, ça. C'est trop bien. Mais dis-moi, Dancha, est-ce que tu... Est-ce que... Tu aimes Naruto? C'est trop bien. Pas de nouvelles de la direction, mais j'ai découvert une vieille histoire à propos de Cozy Grove à la bibliothèque. Figure-toi que l'île abritait une ville autrefois, mais elle a disparu il y a plusieurs décennies de cela. Ça veut dire qu'il doit y avoir des dizaines de fantômes sur l'île. Si tu les aides tous, tu décrocheras directement ton diplôme d'entrée pour rejoindre le cercle très fermé des scouts à l'écoute. Rares sont ceux à y être parvenus. Je suis certain qu'un jour tu réaliseras la chance que tu as eue. Quel honneur. Enfin, si tu survis. Ce qui ne faut aucun doute. Sûr. Pourquoi je dis ça, moi hein. Mais c'est que des bonnes nouvelles, ça fait plaisir, Dancha. Moi, j'ai appris qui avait tué Sarah dans la série Qui a tué Sarah. Voilà, je sais enfin qui a tué Sarah. Et quand j'ai fini de regarder à Twitch, j'ai cherché après des jeux à mettre sur PC. Ah! Alors t'as pris quoi? T'as trouvé des jeux? T'as vu qu'aujourd'hui c'est les soldes épiques et il y a énormément de bons jeux et
en solde. Et aussi, chaque personne a un bon d'achat de 25%. Et le jeu gratuit de la semaine, c'est Borderlands 3. Donc en fait, Borderlands, l'intégralité de la série a été offerte gratuitement sur Epic depuis des années. Et moi, j'ai tout acheté en plusieurs fois, édition collector, dès que c'est sorti, précommande. Et ça me rend ouf en fait. Vraiment, les jeux maintenant, ils deviennent tous gratuits à un moment ou à un autre. C'est dingue. J'aime bien les dessins des mangas. Naruto, Titon m'a bassiné avec toute mon adolescence et là j'ai flashé sur les dessins. Ah, trop bien, tu veux nous mettre une photo? Mais Naruto, c'est un des meilleurs mangas, meilleurs shonen. C'est incroyable. C'est trop prenant. Et il est touchant, Naruto. Je regardais pour reprendre les Sims complets, Sims médiéval, Age of Empire. Et là, je cherche un city builder médiéval aussi. C'est drôle. D'ailleurs, j'ai pris l'Apple Arcade sur mon téléphone Pro. Faudra qu'on essaye à l'occasion de jouer à quelques petits jeux indés sur l'Apple Arcade. Enfin, d'ici 2 mois, parce que ça dure 3 mois, l'essai. Enfin, le truc gratuit. Et il y a un city builder que peut-être que vous connaissez. Il s'appelle Pocket Build. Et c'est sympa. C'est gratuit. Enfin non, c'est sur l'Apple Arcade maintenant. Mais c'est sympa. Je crois qu'il existe sur PC aussi. Il y a ma mère qui me donne des nouvelles de Minicat et elle est retournée à l'op. À... Je connais pas. Pocket Build, c'est sympa. Je peux te confier un secret, petit cœur? J'ai peur des araignées. Il y en a une énorme dans ma cuisine, mais je sais pas comment m'en débarrasser. Ouais, donc Minicat Pablo, Pablito Sanchez, elle a envie d'avoir un autre diagnostic et du coup. Elle l'a ramené chez un autre veto. On sait pas trop en fait, ça avance pas. Pablo, ouais. Ça avance pas, son urine elle est toujours un peu foncée, il mange pas trop, mais maintenant elle lui a redonné des anciennes croquettes et il mange. Elle l'a fait sortir tout à l'heure dans le jardin et il était super content. Mais bon, il est de temps en temps apathique, de temps en temps il se cache. En fait, elle pense potentiellement qu'il peut avoir attrapé une angine ou je sais pas quoi. Enfin, on a l'impression qu'il a mal à la gorge et du coup qu'il mange pas. Enfin, on sait pas trop, donc elle voudrait un deuxième diagnostic. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est chiant. Je connais pas, sympa. Elle retourne chez... Ouais, encore, elle y est allée ce matin. Mais en fait, c'était, je dirais, comme une urgence ou je sais pas trop quoi. Du coup, elle est allée ailleurs. Enfin, bon. Elle nous dira tout à l'heure. Elle est dans la salle d'attente. Photo sur Didi. Elle a raison, ouais. Oh, la pauvre petite cœur. Ouais, après, le problème, c'est qu'il a l'air pas si mal parfois, et parfois, il a l'air. Pauvre petit cœur, ouais. Ah oui, génial ce. Il est super. Naruto et Sasuke. J'utilise la baguette de sorcier pour déterrer quelques souvenirs. Et maintenant, je me rappelle. Dans tout ce que j'ai fabriqué, j'ai incrusté un petit cœur en métal. Si tu trouves des cœurs, pourras-tu me les apporter? Bon, et vous, sinon, votre journée Ah bah j'ai, ça y est. Salut petit être, je me demande comment tu perçois cette île avec tes jeunes yeux. La plupart d'entre nous étaient déjà morts bien avant ta naissance, mais l'histoire de cette île remonte à plus longtemps encore. Bien avant qu'elle ne devienne un terrain de camping, la légende raconte qu'elle était la capitale d'un empire déchu. Cette civilisation a disparu depuis des siècles,
mais il en reste certaines reliques. Ce n'est toutefois pas facile de les trouver. Et il te faut une baguette de sorcier pour ça. Si tu l'aides, je te parie que Jérémy Rocaille pourrait t'en fabriquer une. Je t'expliquerai comment l'utiliser. Ça t'intéresse de savoir? Oui. D'abord, sélectionne machin, équipé, chauffe, ouin, 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 machin, ouin. Sois reconnaissant, tu machin. Ok. Bien sûr, Yves m'a demandé pourquoi j'achetais un sweat à Titouan. Mais du coup, tu l'as acheté pour toi, on est d'accord. Trop drôle. Ben. Ah, je vois que Jérémy t'a fabriqué une belle baguette de sorcier. Laisse-moi y jeter un œil. Et tu m'as apporté une relique. Le capitaine Albert Loudemer adore les collectionner, tu sais. Quand tu auras plusieurs reliques, tu pourras les brûler dans ton feu de camp pour obtenir de la cendre de reliques. Il paraît que c'est un matériau d'artisanat précieux. Tu trouves ça irrespectueux? T'en fais pas. Les esprits concernés ne manqueraient pas de le faire savoir s'ils voyaient un inconvénient. De nouvelles reliques apparaissent tout le temps. Alors pense à les chercher tous les jours à l'aide de, de ta baguette de sorcier. À ce propos, je ferais mieux de te la rendre. Bonne chasse aux reliques. Merci, esprit. J'ai fait le plein de tofu au magasin bio et un fromage Joséphine, ouais, de CD Enjoy. Et des simili d'hiver à Leclerc. Ah bah trop bien. C'est quoi comme simili du coup que t'as pris? Il est pas mal le Joséphine. Je crois que j'ai deux J-Enjoy dans ma... Mais je sais plus si c'est J-Enjoy ou autre chose. Ce midi, moi, je me suis fait ma petite baguette tradition avec mon petit houmous. On est bien. Bonjour Scoot, j'étais en train de réfléchir. Cet endroit est vraiment spécial, vraiment cosy. Mais ça veut dire quoi au juste? J'imagine que si tu avais beaucoup de temps, tu pourrais écrire une dissertation philosophique sur la signification du mot cosy. Mais peut-être qu'une photo pourrait aussi en capturer l'essence. Tu veux essayer? Ah, une photo. Bien joué, partenaire. Tu l'as trouvé. À chaque fois que tu utilises symbole sur une création, cela signifiait que j'avais mis tout mon cœur et toute mon âme. Après Tartare, j'ai trouvé du boursin végétal à Casino. Ah, du boursin. Ah, mais c'est peut-être le boursin qui est neuf, alors. Ah, mais c'est peut-être ça. Peut-être que le Tartare, ça existe depuis longtemps. Mais qu'en fait, ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'était le boursin. Attends. C'était peut-être ça, c'était pour ça que l'autre jour on avait... Oui, voilà, c'est ça. C'est le tartare qui existe depuis longtemps, mais moi que j'avais jamais vu. Mais c'était le boursin végétal qui est nouveau. D'accord. C'est ça qu'on confondait en fait. Donc voilà, on a la fameuse réponse dans le chat. Voilà, le boursin végétal, c'est tout nouveau et j'en trouve pas par chez moi. Ok, donc autant pour nous, autant pour moi. Je sais pas, j'en avais jamais vu. Oui, le boursin, c'est nouveau et il y a marqué nouveau dessus, sur le truc. Mais le tartare, peut-être que ça existait depuis longtemps et c'est pour ça que t'en trouvais. Enfin, peut-être, ça existait depuis longtemps et c'est pour ça que t'en trouvais, toi, dans le chat. Mais moi, j'en avais jamais vu. Lardon fumait la vie. Ouais, j'ai mangé ça hier soir, c'est trop bon, ils sont trop bons. Aimant cette poulet nature et steak, vegan gourmet. Apivore, ouais. Parmigiano, Vio Life et Tartare. Parmigiano, Vio Life, il est bon ou pas? La journée malade depuis le matin, j'ai dormi 3 heures dans la matinée, remalade. Oh. Dîner, remalade, redodo. Ah oui, dîner, c'est vrai. Dans la matinée, remalade, dîner, remalade, redodo pendant une heure, étudiage de Twitch. Recherche de jeu et nous voilà. Ah ouais, trop bien. Et mais alors, mais t'as pris un jour. T'es malade là, t'es en off. T'as pris des jours. Entre-temps, les canins avec les BBR. Je sais pas pour le permis de jeu, c'est la première fois que j'en sais. Eh bah, tu nous feras un crash test. J'avais goûté du parmigiano, mais pas en frais. Tu sais, juste en poudre. Dans un pot et en poudre.
Et bien sûr, passer Lidl pour du pain au noir. Évidemment. Le pain au noir, évidemment. Très bien. Il est temps de faire retourner ces babioles à l'état de métal fondu. Quoi? Mais non, mais ne fais pas ça. Je suis vraiment désolé, partenaire. C'est le seul moyen. Tu as constaté comme moi que te donner des outils n'a pas mis fin à ma condition de fantôme. Donc je pense qu'il faut que je corrige mes erreurs passées. J'ai dû faire quelque chose d'horrible. Quelque chose de si laid et clinquant que les esprits de Cozy Grove ont décidé de me maudire. C'est pourquoi je me lance dans une nouvelle mission. Détruire mon travail. Précisément, méthodiquement, un cœur à la fois. Les patounes, ça me fait vraiment penser à Spiritfarer, dont je vous ai déjà parlé et que vous devez sûrement connaître. Mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille de le faire, hein, Spiritfarer. Il est magnifique, il est beau, il est poétique, il est touchant. Et c'est un truc qui vous plairait, il y a de la gestion, il y a de l'exploration, il y a de l'aventure. Il y a même de la plateforme, enfin il y a de tout. Je vais chez le doc demain, elle n'avait pas de place aujourd'hui, honnêtement, je n'aurais pas pu me déplacer. Et ça me dépasse déjà d'y aller demain. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, t'es en off, quoi. T'as dit au taf que tu pouvais pas venir. Oui, ok. Bon bah écoute, espérons que ça aille vite mieux. Hein. N'empêche que pour une malade, t'es efficace quand même. Hein. Les sujets suivants, mais j'ai pas de sujet. Panneau de Cozy Grove, c'est trop bien. Avec tous les sujets suivants. C'est quoi? Tu nous donneras des nouvelles demain. Ouais, bien sûr, tu me diras. C'est pour ça que je vais chez le doc juste pour... Le quoi? Le CM? Sinon, je serais bien passé la visite par son cabinet. Si je me défends, ouais. Ah ouais, bah coup de chaud, c'est vrai, si t'as passé beaucoup de temps dehors avec cette chaleur, hein. Même à l'intérieur. Et gastro, bah. Ouais, maintenant qu'on a enlevé les masques et que les gens se relâchent, forcément il y a plus de gastro. CM certificat médical. Hein, parce que pour moi, CM c'est mon métier, c'est community manager. Mauvaise nouvelle, tes papiers étaient prêts à être envoyés. J'avais même dessiné des petites pattes d'ours au-dessus des i. Mais quand je suis arrivé au service compétent, j'ai regardé dans mon sac et tes papiers avaient encore disparu. C'est impossible que je perde ces papiers deux fois. Forcément, un mauvais tour du satané diablotin. Et diablotin, c'est à cause d'eux si j'ai de l'hypertension artérielle à l'œil gauche et l'œil gauche qui saccade. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est con. Et pourquoi est-ce qu'ils refusent de partir d'ici? Désolé, c'était pas un comportement digne d'une mère. C'est juste que. Sans ces trois documents, je ne peux pas t'accueillir officiellement dans notre ville. Oui, et puis tous les gamins malades passent par mon bureau pour attendre leurs parents. Ah bah, putain, les boules. Tu réceptionnes les maladies, quoi. Week-end de repos d'office. Ouais, à savoir, grasse mat jusqu'à 8h. Et ménage, récurage, course. Jardinage, Twitch, routine, un gros repos quoi. Oui, cette fois je le prends avec joie. Putain, bon bah trop bien. Alors, par contre, ça je comprends pas. Il faut que je prenne des photos, mais je sais pas avec qui. Culture de sable. Sc-
sculpture de sable. Sculpture de sable. Mais c'est... Où les trouve. Oui, c'est vrai qu'ici j'ai d'autres trucs. Ouais, c'est que les diablotins, j'ai l'impression qu'ils veulent rien. Non, je stoppe juste un petit coup au sol. Je stoppe juste un petit coup au sol parce que les bébés ramènent des saletés sur un samedi. Dehors et mes courses demain après vite, sinon je fais un deux chiens. C'est tout, j'en ai besoin. Ah bah enfin. C'est bien. C'est bien. C'est bizarre, les diablotins ils demandent rien. Ils ont envie de rien, donc je sais pas comment faire pour. C'est quoi ça? Drapeau de... Ramasser? Mon inventaire est plein. Mon inventaire est plein. Oui, allez, c'est bon. Oui. Drapeau de scout à l'écoute. Ça se place comment? Ok. Assez, je sais pas, ici, ensuite, ah bah j'en ai beaucoup, mais c'est quoi? Attends. Je pense qu'on peut là, on peut largement faire ça. Ça.
Ça augmente de plus en plus comme ça. Encore. Table de collecte de fonds. Il n'a pas encore l'autre. Les patounes sont bien calmes. Oui, c'est vrai. Ça arrive. Il y a des jours comme ça, qu'on n'est pas nombreux. Écoute. Tant pis. C'est embêtant quand même. Ballon de fête. C'est la fin de semaine, les patounes sont HS. Ouais, c'est vrai. C'est sûrement ça, mais... Écoutez, si vous passez un bon moment, moi c'est ce qui compte. Hein. Vous pouvez toujours parler à fond, quoi. Mais j'ai toujours, mais toujours, même si vous me dites le contraire, l'impression que si je parle pas, ben, vous faites chier. Donc voilà. Mais ça, c'est que quand on est streamer qu'on peut ressentir ça. Enfin, quand on stream. Mais tu te dis, bah, quel intérêt, vraiment, quel intérêt, quoi. Si je parle pas. Je suis clairement cassé, mais content d'être ici quand même. Voilà, tu vois. Écoutez, tant que vous vous sentez bien, moi ça me va. De toute façon, vous m'avez jamais aimé, donc ça change pas. J'ai fait plus de 5000 pas aujourd'hui, c'est énorme pour moi. Bah attends, mais c'est plus qu'énorme. Quand j'en fais 1000 dans une journée, c'est le gros maximum. Bah, c'est ça, 5000. Mais attends. C'est ouf. Et ça va? Enfin, je veux dire, ça t'a pas cassé? La dernière fois que t'avais fait beaucoup de... Beaucoup de... De courses, etc., t'étais pas bien. Pareil, je suis crevé, et tellement contente de ce petit rendez-vous du soir. Ça fait plaisir. Alors, moi aussi, hein. Moi aussi. Parce que je vous cache pas que je pourrais totalement me poser, regarder un film dans mon lit, pas allumer l'ordi, tranquillou. Mais en vrai, je kiffe vraiment vous retrouver un peu comme ça. C'est bien. Je te rassure, on se fait pas chier, Serre. Parfois, juste profiter de ce que tu proposes, même en silence, ne pas dire c'est nul. Bah, je savais. Merci, merci. Je savais que quelqu'un allait me répondre ça. Et c'est super. Ça me rassure, premier degré. Mais vraiment, je vous jure que quand tu live des, enfin, peut-être c'est un monde à part Twitch, les réseaux, ce sont des mondes à part. Il faut contenter l'audience, quel que soit ce que tu proposes. Du coup, tu te dis bon bah si je parle pas, quel intérêt, quelle plus-value j'ai par rapport à quelqu'un d'autre, tu vois. Après, c'est vrai que là les exactement, des fois je savoure en silence, bah écoute, trop bien. Mais c'est vrai que les patounes de compète que vous êtes, forcément, bah, vous kiffez parce que vous connaissez le lore, vous connaissez la chaîne, l'univers, l'ambiance, etc. Mais quelqu'un qui va arriver, si je parle pas, ben voilà, tu vois. Mais trop bien, ça me fait plaisir que... qu'il n'y ait pas forcément besoin de plus que ça. En fait, j'ai pensé à la commu chez Lidl, j'ai acheté des pop-corns salés. Offert au micro-ondes. Bah, tu sais qu'on n'en a toujours pas fait. Hein. C'est fou. Hein.
Mince, je sais pas combien il m'a demandé. On en a toujours pas fait. Ah mais je comprends totalement ce que tu veux dire et c'est légitime pour toi. Mais pose aussi problème à l'envers. Moi, si j'aime pas ou si ça m'intéresse pas, je viens pas ici. On est toujours là, mais on savoure quoi. Mais c'est vrai, hein. Tu vois, moi, des fois, je mets d'autres streamers ou streameuses en fond et quoi qu'ils fassent, j'apprécie quoi. Y a pas de problème quoi. Ah ouais, 16 nouveaux emplacements. Trop bien. On t'aime, sir, c'est gentil. C'est gentil, Patoun. Mais faut que j'arrive à me dire, bon, bah écoutez, ceux qui sont là, c'est qu'ils kiffent. Et voilà, de toute façon, ça viendra quand ça viendra. S'il y a des gens qui viennent, ils viennent. Des gens qui viennent pas, ils viennent pas. Il n'y a pas de... Le but, c'est de se faire plaisir, nous tous ensemble. Je cherchais des radis. Des radis. Merci les patous. Vous avez fait les X du jour? Ou pas encore? On les fait ensemble tout à l'heure? Ah voilà. Lui va me donner un truc que je recherche, non? Putain, mais même pas. Et du coup, tu l'as fait quand la vidéo de Greg? Ah oui, on la regarde quand? Bah déjà, je la regarderai sur YouTube une fois, parce que je l'ai dit l'autre jour, mais je sais pas si t'étais là. Mais en gros, j'ai eu Greg au tel et il m'a dit regarde-la quand j'aurai refait le montage, parce qu'il va remonter le truc pour que ce soit plus digeste, mieux et tout, parce que voilà, il a eu des retours et il veut faire ça bien. Du coup, j'ai envie de regarder comme l'artiste a envie que je le regarde. Donc si vous pouvez pas attendre et que vous voulez regarder avant, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi, je la regarderai avec plaisir avec vous si vous attendez, une fois qu'il y aura le remontage. Et peut-être avec lui s'il est OP ou quoi. Mais voilà, là, il a besoin de souffler après ses 1 an et demi, 2 ans de pièges hyper compliqués. Il est parti prendre quelques jours en Grèce. Donc à voir. Mais j'ai super hâte de voir et j'aimerais trop le faire avec lui. D'ailleurs, putain, il a fait des vidéos. Salut Julia. J'attendais de voir si tu les faisais en live ou pas. Ok, bah on les fait là. Pas fait non, j'ai pas eu le temps. Non, pas fait les X du jour, je viens d'allumer mon ordi pour ton live. Ah bah trop bien. Bon, on les fait juste après. Vous êtes aussi. J'ai failli craquer tout à l'heure en plus, c'est vrai. Oui, je l'ai pas vu, mais j'ai trop envie. Bah, j'ai super envie aussi, mais... De toute façon, je sais même pas si c'est encore disponible en replay, puisque normalement, c'est 7 jours. À moins qu'il y ait plus de 7 jours. Mais faites comme vous le sentez, mais moi, je vais attendre. Mais j'en peux plus, j'ai trop envie de regarder. Mais ce serait trop dommage de le faire maintenant, alors qu'il pourrait y avoir une version mieux, et avec lui, potentiellement. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si vous le suivez sur Instagram, mais il a mis des stories de lui en Grèce où il est avec un âne. C'est beaucoup trop touchant. Putain, j'ai jamais vu un âne aussi affectueux. Bon, là, c'est trop tard, mais elles y sont plus, les stories. Mais si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. En gros, on va pas passer sur les conditions lamentables des ânes et des chevaux en Grèce. Renseignez-vous, mais c'est atroce. Mais là, il y avait un âne qui était à côté de leur maison et il demandait des câlins, mais à fond. C'était beaucoup trop mignon. Genre vraiment, j'ai jamais vu un âne aussi affectueux, aussi en demande de câlins. Genre, j'imagine qu'il a jamais eu d'attention de la part d'un humain.
Et Greg, il a passé des minutes entières à le câliner. Vraiment, l'âne, il lui demandait de le gratter là, sous le menton et tout. Dans le cou, c'était trop mignon. Et tu sentais qu'il kiffait, quoi. Il kiffait l'affection. C'est incroyable. Et ça, j'ai jamais vu un âne aussi content de se faire caresser, quoi. Comme vous allez. Ça va, Julia? Je vous ai pas dit, mais je suis un peu ballonné. Mais sinon, ça va. Fait chaud, hein. Dispo en replay. Il est dispo en replay Canal+, ok. J'adore les ânes, mais oui. C'est trop adorable. Putain, j'ai rien trouvé. C'était près d'une palourde géante. J'ai eu une ânesse, effectivement, c'est hyper câlin et ça n'aime pas vivre seul. Putain, bah là, il était seul, le pauvre. Et puis, j'imagine maltraité. Putain, c'est horrible. T'as une ânesse, putain, c'est tellement cool, un âne, une ânesse. J'adore. C'est vraiment mignon. Et ça a l'air simple, ça a l'air gentil. La tristesse. Ah ouais, les ânes de Santorini, c'est. Mais en fait, faut en parler. Hein. Tout ça, c'est les humains. Hein. Faut juste pas participer à tout ça, c'est tout. Faut pas. En gros, quand il y a une activité où il y a un animal mis en cause et utilisé, bah c'est pas bien. Dites-vous juste ça, tout simplement. C'est tout. Point. Après, c'est en votre âme et conscience. Mais a priori, si l'animal il est utilisé, c'est qu'il y a un problème. Elle est où cette palourde géante? Est-ce que ce serait pas les palourdes là-bas? Ah, mais peut-être que c'est. Peut-être qu'il faut que je fasse des ricochets dans les palourdes. C'est ça, les palourdes? Bien sûr, c'est à bannir. Ah, ben bien sûr. Ça, comme beaucoup d'autres activités. Mais les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Après, j'avoue que ceux qui s'en rendent compte et qui acceptent quand même, genre les photos de tigres en Thaïlande, les tigres attachés au cou sur un bloc juste pour prendre des photos et complètement drogués, ça, ceux qui prennent des photos, j'avoue que... Je les porte très 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 bas dans mon estime. Ça me fait beaucoup rire les personnes qui critiquent l'équitation et qui 2 minutes après vont manger raclette, mais tellement. Et je voulais. Alors, t'as lancé ça, j'ai dit toutes les activités en pensant à l'équitation. Je sais que ça fait débat, mais pour moi, l'équitation, c'est pas bien. Après, peut-être que je suis extrême, comme pourrait dire Tony l'autre jour, mais de manière mal. Mais pour moi, l'équitation, avec beaucoup de recul, même si c'est pas atroce, ça reste quand même quelque chose de pas ouf. Mais oui, il y a beaucoup de dissonance cognitive. On appelle ça la dissonance cognitive, Julia, d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup touché par un chien qui a été maltraité, mais d'avoir aucun problème avec... le massacre pur et simple de cochons et de vaches, tu vois, au quotidien. Comme beaucoup d'autres choses, c'est la dissonance cognitive. On a vu au dernier JO, mais oui, bien sûr. Putain, c'est horrible. Je pense que ça dépend un peu de tout. Ça dépend un peu de tout, mais de base, c'est pas ouf. C'était le cadeau de mes 35 ans. Yves avait organisé un anniversaire surprise avec toute ma famille et amis, et il avait fait une collecte pour me l'offrir. Trop bien. Je crois que c'est le plus bel anniversaire de ma vie. Même si beaucoup d'invités étaient dubitatifs quant au cadeau, certains m'ont demandé si je n'aurais pas préféré un bijou. Non mais, franchement. Ça a dû être incroyable. Et elle a vécu combien de temps cette ânesse? Elle s'appelait comment? T'as des photos? Moi, si t'as des photos, je suis archi partant pour que tu nous les mettes sur le Didi. Concept pur et dur est pas ouf. Ouais. Après, je sais qu'il y a des gens qui pour l'équitation... sont hyper respectueux, etc. Mais tout ce qui est équitation en club, c'est quand même compliqué. Il est trop mignon, le petit canard.
Par contre, les patounes, j'ai vu un truc hier. Il y a une personne qui a partagé sur Twitter la bouche d'une oie. Alors, je sais pas si c'est un montage, mais c'est un... Bah non. Oh, attendez, c'est ouf. Je vous le montre maintenant. Et Patoune, je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez la bouche d'une oie. Ça a des dents, on dirait un monstre. Ça a des dents de fou, et même sur la langue. On dirait un monstre de l'enfer. Non mais sérieusement, en plus... Oh, c'est ouf. Je savais pas du tout, mais ça me fait peur. 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 C'est ouf. Après, ça n'empêche pas que ces animaux peuvent être adorables. Mais putain, je savais pas. What the fuck? Je savais pas du tout, ça m'a... J'ai vraiment appris quelque chose. C'est ouf. Vous saviez, les patounes? Démogorgon, mais c'est ça. En plus, c'est quand Stranger Things? Déjà, demain, il y a... Les patounes, demain, il y a Love, Death and Robots. J'ai trop hâte. Est-ce que vous aviez vu ou pas les deux premières saisons? Mais c'est bientôt Stranger Things. C'est ce mois-ci, je crois. Hello Julie. Juju. Je savais, et ça fait mal quand ça pince. Ah oui, parce que tu t'es déjà fait pincer par une oie. La première partie le 27 mai, la deuxième partie le 1er juin. Ah, c'est genre une semaine de différence? C'est incroyable. Ah, c'est trop bien. 2 juin ou 2 juillet ou 1er juillet? C'est pas juillet? Enfin, c'est pas... Ce jeu est bien, mais je coince pendant des minutes entières. Ce sont de très bons gardiens, les oies et les jars. Ah, tu m'étonnes. Avec leurs dents et avec leur... glapissement. Je sais plus si c'est juin ou juillet. Je crois que c'est juillet. Parce qu'à une semaine d'écart, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, un mois, c'est bien. T'as pas à attendre 6 mois, quoi. Elle s'appelait Lovely de Beau Séjour. D'accord. Mais malheureusement, elle est décédée d'un coup l'hiver 2017. Oh non, elle a vécu combien de temps? Elle était restée chez Yves, car pas la place ici. Et elle a dû boire de l'eau trop froide et Yves l'a retrouvée décédée le matin. Oh non, avec 17 ans. Oh, quand même, alors que ça vit 30-35 ans. Oh non. Mais t'as vécu 17 ans avec elle? Ou tu l'as eu quand elle était déjà adulte? Enfin, quand elle avait déjà bien vécu. Ah, coucou vous tous, comment ça va? Ça va, Améthyste, et toi? Je m'appelle bien Julie, donc ça va, t'as pas fait l'erreur. Bon, bah tant mieux, parce que Juju, ça peut être beaucoup de choses. Julia, Julie, Justine, Juliette. Non, trop triste, ouais. Oui, plus d'une fois. J'ai toujours les mains qui traînent partout quand il y a une bébête, donc c'est pas affecté, affectué, ça crie comme une alarme. Ouais, les oies, c'est pas non plus... les cygnes aussi, hein, les cygnes du mobilhome de ma mère, ils ont l'air... plus agressif qu'autre chose, hein. Les cygnes en plus c'est connu pour être très mauvais, quoi. Je l'ai eu juste après qu'elle soit sevrée, donc elle avait 9 mois. Ah, donc t'as quand même vécu 16 ans avec elle. Toi, ça va, Métiste? Ça va mieux? Tant mieux. Mes voisins ont des oies, c'est des créatures du diable, elles veulent ma mort, ça se voit. C'est vrai? Putain, je savais pas que c'était des créatures du diable comme ça, mais t'as vu leurs dents? Bon, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Tous les jours, je galère. Paru que ceci avec Alison Miel. C'est qui, Alison Miel? Là, je pense qu'il faut que je prenne un œuf. On sait jamais. Je vais en prendre un. Si j'en ai. Ah, c'est là-haut.
Comment ça, elles ont des dents? Ah bah, t'as pas vu? Attends. Je vais te remontrer. C'est n'importe quoi. On vient de regarder. Regarde-moi cette créature du diable. Mais c'est ouf. Même sur la langue. Ouais, c'est mauvais. Hein. Oh, c'est mauvais, une oie. Comme les cygnes. Est-ce que les cygnes en ont? Non, les cygnes, ça en a pas. Mais c'est très mauvais, un cygne. Mais c'est beau. Mais qu'est-ce que... Mais une oie comme un cygne, c'est beau. Odila, c'est exactement la tête qu'elles font quand elles me voient. C'est la même chose. La phobie, c'est ta faute. Vous avez déjà raconté que moi j'ai eu deux oies. Non. Une qui n'en avait rien à foutre de nous et l'autre qui venait tous les soirs sur mes genoux et passait son cou autour du mien pendant que je la caressais. Oh, mais... Non mais tout animal peut être affectueux en vrai. C'est trop mignon. Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse ça. T'as pas ce qu'il faut, et toi? Toi, t'as ce qu'il faut, toi? Peut-être? Cuillère de sel, essence d'oiseau heureux, œuf dur. Ok. Œuf dur, faut faire cuire un œuf? Allez, va te faire cuire un œuf. Quoi? Comment on fait, l'œuf dur? Comment on fait un œuf dur? En parlant de créature du diable, il y avait une tique sur mon chat, mais heureusement, on a réussi à l'enlever tout entière. Oh, ah ouais, heureusement. Franchement, c'est horrible l'éthique, putain. Comme tu dis, hein, c'est des suppôts de Satan. C'est chaud leur jeu, là. Comment je fais pour avoir du sel? Comment je fais pour avoir... Pourquoi... Comme ça, gratos. Neuf. Comment on fait un œuf dur? Pellicule photo. Peut-être que je les achète. Ah, cuillère de sel. Ma grand-mère est traumatisée des oies car elle s'est faite courser par une oie quand elle était petite. Ouais, vous connaissez le jeu avec une oie là? Untitled Goose Game. C'est très drôle. Va voir l'ours cuisinière pour l'œuf dur. Bah j'y suis allé. Avec un œuf, mais elle veut même pas. Le sel, tu en as parfois en creusant, sinon tu peux acheter auprès de Monsieur Kit. J'ai acheté du coup, merci. Ma mère m'a toujours dit de pas trop approcher des oies et des cygnes. Je comprends pourquoi maintenant. Ah bah, tu m'étonnes. Regarde, je veux préparer quelque chose. Les cygnes, c'est pas... Machin. Œuf dur. Ah non, attends, oui, je suis bête. Ah, il me faut... Ok. Attends, pour faire un œuf dur, il faut 12 œufs. Il faut 12 œufs pour faire... Des œufs. Je voudrais une dosette d'œufs. Alors je dirais. Alors. Ok. Ce jeu m'éclate. Bon, pendant 5 minutes, ok? À 40, on commence. À 45, on arrête. À moins que je me trompe. Je crois qu'il y en avait à vendre chez Monsieur Kit. Des œufs? Oui, c'est vrai, t'as raison. Il n'y en avait qu'un. On va pas aller loin. La dosette 2, la fameuse. Non, c'est pas ça. Ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. Une dosette
2. Windows aide de quoi? Franchement. Sinon, comment on fait? Ok, c'est parti. 5 hein. Minutes. Je sais pas comment on fait pour avoir des œufs. Quoi? 22 000? J'en avais 130? C'est peut-être l'attente? Ah, un œuf. Un seul. Ah, peut-être que je peux le nourrir. Tu n'as pas assez d'œufs, tu peux en faire. Tu peux. Tu ne peux pas faire la mission. Tu as pas de poule? Non. Mais lui, il peut m'en faire. Ah! J'ai perdu. Bêtement. Bon, bah 50. C'est marrant, juste avant, je réfléchissais à bien comprendre qu'il faut pas que je dise ce mot. Et que... faut que je réfléchisse. J'aimerais tous les jours ton oiseau, tu auras un œuf par jour. Oui, mais regarde. J'ai du temps. Ah non. Ça, j'ai pas de temps. Ok. Palourde géante. Est-ce que vous savez où est la palourde géante? J'étais plus gentil que la dernière fois. Ouais. C'était quoi comme mot la dernière fois? C'était chaud. Hein. C'était jeu. Jeu. Oh. Horrible. N'empêche que je retiens ta ville, je sais pas comment dire. T'as envie de me faire chier, quoi. compliqué aujourd'hui l'émission. Complicados. Oui. Comment elle dit ça? Oui. Absolument. J'ai envie de te faire chier. C'est mon but. Ah, que je lui donne. Oui, je lui donne. Je suis bon quand même. Combien il me donne? J'ai acheté ça 4000. Ok, moitié prix du coup. 60 personnes la même. Ah bah ça. Tu nourris Milo? T'as failli m'avoir. Tu nourris Milo? Il va mieux? Toi ça va, mais lui, c'était pas tombé. Difficile de me piéger. T'es fourbe, hein. T'es une patoune fourbe. Ah non, hein. Tu te tais, téléphone pro. Il a fait un vaccin. Ah. Lequel? Oh non! Parce que j'ai reçu un message en plus.
du taf. C'est exceptionnel, mais parce qu'il y a un problème. Menu et liste de courses, c'est fait. Et j'ai fait pour 15 jours, comme ça, je suis tranquille. Ah, trop bien. Vous faites tous ça? Bon, il y a quelqu'un qui... C'est quoi qui... Ma boss qui me demande des trucs. Bon, faut que je reste aux aguets. L'orgue douche, pas de soucis. On est du genre à faire les courses tous les jours ou presque. Ah ouais? Eh ben, dans les pays où il y a des convenience stores, des combini, ça vous plairait, ça. Les Japonais, par exemple, c'est ce qu'ils font. Ils font toujours leurs courses au jour le jour. Je vais peut-être prendre un petit chien si je suis renouvelé au travail. Oh, super! Ça serait quoi comme... race. Moi, je fais pas mes courses tous les jours. Je fais de temps en temps, j'achète des petites courses d'appoint. Sinon, je stocke bien, j'arrive bien à gérer. Et comme je mange pas grand chose, par exemple, enfin, parfois au soir. Quand j'ai pas trop faim, je me prends pain ou mousse ou des petits trucs, tu vois. Et sinon, je fais des gros pleins par commande. C'est grave, mon imprévu. Non, c'est la mort, le décès de quelqu'un. Enfin, pas de mon taf, hein, mais dont il faut parler sur les réseaux de mon taf. Et du coup, voilà. J'attends que la nécrologie sorte et il faudra que je la publie. Les morts, ça arrive un peu n'importe quand. Au soir. En vrai, ça se dit, non? Moi, j'ai horreur de ça. En finissant à 17h tous les jours, j'ai pas envie de repasser au magasin. Ah bah, je peux comprendre. Et moi, j'arrive chez moi à 19h. Alors imagine. Faut que... Entre 18h45 et 19h. Donc faut que je passe au magasin, que j'achète 2-3 trucs. Mais parfois, j'ai une envie spécifique, tu vois. Genre, je rentre et je me dis, ah putain, j'ai envie de ça. Du coup, je me dis, c'est pas très loin. En plus, c'est le petit... le Franprix, quoi. Tu peux dire... Eh non. Encore une star de partie. Non, c'est pas... Bon, après, je connais pas, moi. Je leur réponds quand même. Désolé du coup.
T'inquiète, ça arrive. Je comprends pas pourquoi j'envoie un mail et je reçois ce mail-là sur mon... Je comprends pas. Et tu commences plus tard aussi. Ah, ouais, enfin, tard. Tu commences à quelle heure déjà? 9h15. C'est pas tard pour moi. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que toi, tu dois commencer à 7h, un truc du genre, non? Tu as dit... Ah, j'ai dit ça? Ah, merde. Je suis pas concentré, j'avoue. Putain... C'est un bon moment hein, quand même, hein, du coup. Par contre, ce jeu, il m'a saoulé un peu. C'est compliqué de trouver quoi que ce soit. Il aura fait son temps. On aura joué avec lui. Hein. C'était presque dommage. Espèce de troll, va. Et je suis au boulot à 7h30. Ouais. Ouais, c'est une galère, 7h30. Et tu te réveilles à quelle heure pour être au boulot à 7h30? Bon, si on passait au X, franchement, ça m'a saoulé. C'est censé être un jeu chill et pas difficile. Je galère pour avoir quoi que ce soit. Franchement. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, Serenity, elle se couche pas forcément trop tard parce qu'elle dort que 6 heures, quoi qu'il arrive. Donc, 6 heures, temps de me préparer. C'est trop dur pour toi, Pandemix. Pédantix. Ben, si tu veux, si tu restes et que tu nous lâches et que tu nous lâches pas de manière lâche, eh ben, tu vas pouvoir voir. J'ai un cycle de sommeil très court. Je pense qu'il faut être plus concentré pour que ce soit pas facile en animant le stream. Ouais, c'est vrai. En plus, avec du boulot. Bon, ça arrive dans une demi-heure. Ça arrivera quand ça arrivera. Pédantix, oui. L'autre était plus facile. Ouais, putain, c'est pas facile. Par contre, là, ça va être compliqué pour Sémantix Pédantix. Je fais le... le écran de fin. L'écran de fin. Et je reviens. Merci d'avoir suivi ce jeu qui, bon, aura fait son temps parce que c'est chiant, j'y arrive pas. On commencera un autre jeu, et puis voilà. A tout de suite les patous, ne bougez pas. Tout, à tout de suite.